création, comme je vous avais dit au départ, dans la connaissance spirituelle de l'agape, la création, la première création est partie de la lumière. C'est quand la lumière fut que tout est parti. Donc vous appelez ça gamme. Alors si vous voyez dans leur connaissance, selon eux, il y a une différence, la conception d'Adam et Ève. Et comment? Pour eux, le monde est venu d'une mère qu'on appelle Ngandé. Ngandé, c'est la mère de l'humanité. Ngandé Bangora, Ngandé Souma, Ngandé Kamara. Ngandé veut dire la mère de l'humanité. Donc pour eux, le monde a été engendré par une femme, par un sexe féminin. À la différence des autres livres comme le Coran, comme la Bible, on dit que c'est Adam qui fut la première créature et que la femme est venue des côtes de Adam. Alors c'est les sous-sous, non? C'est le genre féminin qui a engendré le monde. Donc Ngandé, Ngandé veut dire la mère de l'humanité. Et la mère de l'humanité a été secondée par Kamfouri. Kamfouri, c'est le couple de Ngandé. Kam Nafourira. Kam qui est plus ancien. Donc ils l'ont appelé Kamfouri. Donc Kamfouri et Ngandé. Donc on est issu de Kamfouri et de Ngandé. Et l'humanité est issue de Kamfouri et Ngandé. Ngandé qui est la mère de l'humanité, qui a engendré tout. C'est pourquoi vous avez entendu Gam. Gam veut dire le commencement. Die, ça veut dire les enfants. Donc nous sommes les enfants de Ngandé. Nous sommes les enfants du commencement. Le commencement là, ils l'ont attribué aux femmes. Ils ont appelé les femmes Ngandé. Et tu n'avais jamais dans la civilisation ou dans la culture sous-sous, un homme appelé Ngandé. Seulement les femmes connaissent Ngandé. Ngandé Souma, Ngandé Tel. Donc Ngandé, donc, c'est en voyant effectivement leur civilisation, leur culture, leur essence spirituelle, pour eux, le genre féminin est la première création qui a engendré le monde. Donc tout est parti du genre féminin. C'est un peu la conception différente de l'Occident et du sud-ouest des autres religions monothéistes. Oui, les sous-sous, dans leur culture connaissance, que l'homme avait vécu effectivement dans le meilleur milieu avant qu'il ne soit à l'heure sur terre. Et si vous regardez cette philosophie, le meilleur milieu que l'homme a connu, c'est le ventre de sa mère. Le ventre de sa mère, alors, il recevait toutes sortes de nourriture et il ne bouchait pas. Il ne bouche pas, rien. Donc c'est sa maman qui cherche tout. Et en voyant là, il est bien encadré, il reçoit tout. C'est un départ du jardin. Un départ du jardin. C'est pourquoi quand l'enfant sort, il met un cri. Parce qu'il reçoit une nouvelle air. Alors qu'il le frappe là où ils étaient, là où il était, il n'est plus là-bas. Et donc selon l'esprit de la connaissance sur ce cas, là où il quitte, on l'appelle l'arata. Et là où il revient, encore on l'appelle le balarata. Mais là où il vient là, c'est ici, c'est Ranta. Ranta.
ici quand ça veut dire il faut en souffrir pour bénéficier. Il ramène il va c'est de ce temps. Il faut être même la connaissance, ils l'ont appelé ici Karani. C'est-à-dire qu'il faut en souffrir pour avoir le savoir. Mbara Karani dira. Ça veut dire Mbara Torara. Donc, Khanta, c'est un lieu où il faut produire pour recevoir. Alors que Larata, c'est un lieu où on gagne tout sans fournir d'effort. La qui signifie la croyance. Ra qui veut dire le bonheur. Ta qui veut dire la vie. Donc c'est le bonheur, la vie du bonheur. Le bonheur de la vie. Donc la rata, au lieu de la, là, il considère que là-bas, on ne fait rien. On a tout autour de soi. Et tu y penses seulement, tout est à côté de toi. Donc la rata, c'est le lieu où on est en paix avec Dieu. C'est sur terre. Ils ont appelé ça Ka. Ils considèrent que nous et la terre, c'est la même chose. Nous sommes le produit de la terre. Comme je viens de le dire. Donc, pour eux, le Ka est la terre. Si vous voyez comme le chenille. Les chenilles, c'est les produits de la terre. Donc, il considère que l'homme est le produit de la terre. C'est la terre, c'est l'homme, est une forme de chenille qui a grandi. Comme le couple des vaches, comme le couple des moutons, comme le couple de tous les animaux. C'est le produit de la terre. Et nous repartons encore de la terre. Et c'est pourquoi on meurt encore, on nous meurt de la terre. Et puis nous revenons encore, c'est l'éternel retour, le commencement. L'éternel retour, c'est la conception de la vie. Et dans la cosmogonie de Laga, il croyait à Marigui, je vous ai dit ça ou pas. Marigui a dit le destin. Et quand il veut implorer, il dit implorons le Dieu de l'univers, Mie Mangue. N'en priez pas moi, n'en priez pas moi. Il envoie la nuit, il ramène le jour et il a créé la vie et la mort. Il considère que la vie et la mort c'est la même chose. Pour eux, la vie et la mort c'est la même chose. C'est que il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Nous vivons dans un néant. On dit on est mort, mais on va dans une autre vie. Il y a pas de tamasara. Il est allé dans une autre vie. Donc l'âme vit éternellement. Quand vous revenez ici encore, on dit encore Abar Bari. Il est revenu encore. Tout, moi Bari qui. Ils prennent le pain, ils prennent de l'eau et vont. Et effectivement, ils tendent la main au ciel. Mais Bari, il est qui? Il est même Bari, moi. Descendants de Gandhi et de Ramphuri, peut-être que les Occidentaux ou bien les Arabes disent Ève, Adam et Ève, et nous aussi, dans notre langage, on dit Gandhi et Ramphuri. Ils considèrent que tout est parti d'ici, dans leur connaissance, que tout est parti d'ici, que cette peau qui est noire, est la couleur de la terre. Donc on considère que le teint clair que vous voyez avec les blancs est une déformation de la nature. Ils ont raté à certaines choses. Et la science a prouvé qu'ils ont, ils ont eu manque de mélanine. Manque de mélanine qui les a rendus comme ça. Donc c'est des albinos. Donc pour eux, la création, la première création, le premier être était noir. Donc nous sommes le berceau de l'humanité. Et même à travers les 12 paroles que nous disposons, qui forment aujourd'hui les 12 noms de Dieu, les 12 et les lambrions de l'alphabet, qui a été copié par les Égyptiens à partir de nous, qu'on appelle les Fendani, les choses cachées, les 12.
temps d'air qui tire, on s'assurait sans fini, à tout le monde, fini, on s'envoie tout le monde, la société comme. Et l'expression de l'embryon, l'écriture, c'est là, sur les stèles égyptiens, ils disent qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu les 12 embryons avec les noirs. L'Afrique de l'Ouest, c'est nous bien. Donc on est au berceau de l'humanité. Dans la philosophie de Suzuka, l'homme est de nature méchante. C'est la guerre des jungles. Défendre sa propre, le moi qui domine l'être humain pousse l'être humain à faire du mal à autrui. Ça, c'est à moi. Donc, les premières guerres qui ont commencé entre les hommes, c'était la guerre sexuelle. C'est-à-dire que quand ils se sont multipliés sur terre, les hommes qui s'associaient à deux, c'est-à-dire que les femmes en ce moment c'était la polyandrie, une seule femme pouvait avoir 15 hommes à son actif. Elle seule, ces 15 hommes travaillent pour elle. Elle, ça dépendra d'elle avec qui il faut passer la nuit. Et les hommes travaillaient pour les femmes. C'était ça le début de la nature, le début de l'humanité. Donc c'est dans ça que les hommes ont cherché à éliminer les autres pour que cette belle créature ne revienne à lui seul. Donc pour eux, les premiers crimes qui ont été commis sur terre, ont été commis à cause des femmes, c'est-à-dire à s'approprier de la femme à façon. Et c'est là qu'est né le mariage. Donc légitimer que personne ne touche. Donc la jalousie est à la création du mariage. C'est l'expression réelle. Donc les hommes ont créé des lois qui sont appelées les lois divines sacrées. Ils ont joué autour de l'arbre qu'on appelle Kiri. Ils ont dit à partir de là, nous nous conformons effectivement à ce principe et ces règles. Et quiconque alors se soustrait de ces règles, il sera frappé par ces lois. C'est là où est née les lois, c'est pour que le moi soit à leur satisfait. C'est la satisfaction du moi, le moi supérieur que l'être humain a. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi qui a créé effectivement le mariage. Sinon au départ, la femme appartenait à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous remercie. J'encourage les uns et les autres à comprendre que le monothéisme n'a pas existé seulement en Asie ou en Europe, mais l'Africain, il y avait des communautés qui ont découvert leur univers, qui ont découvert la puissance de l'univers et qui ont obéi à sa spiritualité, que j'appelle comme une noire, une de ceux qui ont alors adoré. Yimande, le maître de l'univers. Voilà, ce sera encore une nouvelle vision pour le monde entier, découvrir l'Afrique dans son intégrité et dans sa particularité. Et prochainement, on va faire d'autres épisodes qui encore donneront beaucoup d'informations sur la connaissance habituelle en Afrique.